En 25 ans, plus de 4000 planètes extrasolaires ont été mises au jour, mais on en sait encore peu sur leur processus de formation. Or, le VLT, le télescope géant européen installé au Chili, vient de révéler l'image probable de la naissance d'une exoplanète autour de l'étoile AB Aurigae. Située à 520 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cocher, cette étoile est surveillée depuis près de 20 ans. Or, de récentes observations réalisées par une équipe internationale à l'aide de l'instrument Sphere ont révélé qu'un disque dense de poussière et de gaz froid s'agglutine autour de l'étoile, signe annonciateur qu'un système planétaire est en cours de formation. Mais c'est un détail dans cette structure spiralée qui a attiré l'attention des astronomes. Une torsion correspondant à une perturbation pourrait être le point précis de la formation d'une planète. Prédit par les modèles théoriques, ce phénomène de torsion n'avait jusqu'à présent jamais été observé, faute d'instruments suffisamment puissants. Cette image pourrait ainsi être la première montrant la formation d'une planète dans un jeune disque stellaire. Un phénomène qui devrait être à l'avenir encore mieux compris, grâce aux futures observations du télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu en mars 2021, et de l'Extremely Large Telescope de l'ESO, actuellement en cours de construction.